Salut à tous, c'est Baïsanka. Donc aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter donc la prochaine Batmobile qui arrivera donc dans la suite du DLC Contrebande Organisée. J'ai pu vous la présenter donc sur PC en mode solo, donc je pourrais pas vous la custom. Je vais vraiment juste vous la montrer, l'extérieur, l'intérieur, vous montrer un peu de quoi elle est capable. Faire un petit test, voir si elle est efficace contre les flics et contre les PNJ. Et dès que je le pourrai, dès que les modes menus seront mis à jour, je pourrai vous montrer un peu tout ce qu'il y a de disponible au niveau des customs de ce véhicule. Donc c'est parti, je vais me mettre en vue à la première personne, on va déjà faire le tour du véhicule. Franchement je le trouve assez bien fait, en noir mat. Regardez-le, franchement il est pas mal. Après je pense que tout le monde est en train de se dire, mais what the fuck, qu'est-ce que ce véhicule fout sur GTA Online? Vous avez complètement raison, on part complètement en couille. Déjà le DLC contrebande avec les avions c'était limite limite avec certains des avions et certains des actions qu'ils pouvaient faire. Mais alors rajoute en plus à ça une Batmobile. Je te jure qu'en online ça va faire des dégâts. Là il y a un bonhomme, il commence GTA demain, il arrive en online, il se dit putain ça y est, ils ont déjà tous des modes menu. Il va fumer de la tête. Mais non, c'est Rockstar qui a décidé de mettre ça dans le jeu. Donc ensuite, je vais vous montrer quand même l'intérieur. L'intérieur il est propre. Franchement ils ont fait un petit effort. On voit des fois des véhicules qui sont un peu dégueulasses de l'intérieur, c'est un peu dommage. Là on voit qu'ils ont essayé de faire un truc un peu différent. Petit siège baqué, même le tableau de bord il est bien avec le radar comme ça, c'est assez stylé. Ensuite, donc ça c'était pour le petit tour du véhicule. Ensuite, au niveau des armes, donc on peut voir juste ici deux petites mitraillettes. À mon avis, on pourra les modifier par la suite, peut-être par des lance-roquettes ou quoi. On peut voir aussi le gros boost de vitesse à l'arrière, donc ça fonctionne. C'est assez bien fait en plus. Je vais aller vous montrer rapidement OLS Custom, donc je pourrais pas custom ce véhicule OLS Custom. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir effectuer des modifications dessus avec le centre d'opération mobile, le MOC. Et je pense que du coup ça va se débloquer avec les opérations du bunker. Pour le prix de ce véhicule, je vais vous le donner dans quelques secondes. On va juste se rendre au OLS Custom. Et vous allez voir le petit message, la petite notification en haut à gauche de l'écran. Voilà, vous devez posséder un centre d'opération mobile disposant d'un atelier de véhicules et d'armes pour modifier ce véhicule. Donc on va sûrement, comme je vous l'ai dit, pouvoir peut-être rajouter des roquettes à la place des petites mitraillettes qui est à l'avant. Donc pour le prix du véhicule, c'est 3 750 000 $. Dans la vidéo présentation des prix des prochains véhicules, les 11 prochains véhicules qui devraient arriver donc sur GTA Online et que je vous mettrai donc dans la description, on peut voir que donc il y avait des prix en réduction et des prix sans réduction. Et ce véhicule a le même prix donc dans les deux catégories, donc pas de réduction pour ce véhicule. Et on va le payer quand même assez cher, 3 750 000 $, ce qui n'est pas donné. Donc ensuite on va passer à la petite phase de test. On peut voir donc ici on a une mitraillette comme je vous l'ai montré. Double mitraillette à l'avant. Et on a un petit boost de vitesse que je vais pas mettre n'importe où parce que si je me fail, je meurs. Je vais passer par le pare-brise. Alors regardez, il est tout petit mais je te jure que je peux passer à travers. Et du coup on a des mitraillettes pour foutre un bordel. Si j'appuie sur carré, je peux pas modifier, mais je pense que du coup on pourra avoir des petits missiles ou des roquettes. On va essayer d'avoir les flics faire un petit bordel. Voir si c'est vraiment efficace, voir si elle est résistante aussi. Ouais, dégagez là s'il vous plaît. Les feux ils sont pas mal aussi, toutes les petites LED là. Ah, je suis pressé de pouvoir l'emmener dans le centre d'opération mobile, là, voir un peu au niveau du custom ce qui... C'est fou là ce qu'ils ont décidé de nous mettre. Est-ce que ça fonctionne bien là? Ça fait des dégâts? Ah, ça peut aller hein. C'est pas non plus dingue, mais il faut quand même pas mal de balles pour tuer un... enfin détruire un véhicule. Par contre pour tuer les gens ça va, ça... Oh non, mais attends, je vais essayer de rentrer dans les gens, ça se trouve elle fait trop mal. Ils ont eu... Ah la merde quand même. Ah c'est un tank le bordel, c'est un tank. Je vais essayer d'avoir les militaires et tout là. Bon j'espère que les pneus sont à l'épreuve des balles, sinon ça serait vraiment con. Mais ça a l'air. C'est trop chaud à gérer le viseur là, je te jure c'est horrible. Ah je vais te dégommer. Allez hop sur le dos. Ah putain il a réussi à se remettre. Elles vont me dégommer, elles vont me dégommer. Ah on a réussi à gratter une étoile. On va essayer de rester en vie. Histoire que la vie elle revienne. Tiens de derrière en plus avec la voiture là ils peuvent pas te toucher, ça c'est pas mal. Allez 3 étoiles. On va essayer d'avoir les 4.
Allez, c'est le chaos dans la ville, bah bien sûr, c'est ça maintenant GTA. Non! Ah, vite, 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 vite. C'est le bordel, c'est le bordel! J'arrive pas à voir les 4 étoiles, hein, c'est dingue ça. Je vous dégomme, je vous tiens, allez hop là, bim! Oh, ça c'était joli. Oh, le shérif là, ici, là, allez, bim, dégomme. Oh, je les dégomme avec la vitesse, c'est magnifique. Allez, Nico, je peux rien faire contre lui. Allez, dégagez. Ah, t'inquiète, je vais refaire un passage. J'ai peur d'aller trop vite et de me dégager par le pare-brise, en fait. Sinon, là, je peux aller à fond de balle avec le boost. Oh, je lui ai fait trop mal. Ah, mais c'est ça qu'il faut faire. Attends, toi, là, ici, là, tu vas prendre cher. Allez, dégage. Attends, je reviens. Ah putain, il s'est caché. Ok, ouais, le boost, il fait encore plus mal que les... Allez, bim. Allez, bim. Ah, les 4 étoiles, ils sont là. Bon, on va essayer de voir la résistance. On va tout dégommer. Oh, lui, il va avoir mal. Oh, lui, il va avoir trop mal. Wouhou ! Ah, lui. Allez, dégage. Bon, il y a moyen de s'amuser quand même avec ce genre de véhicule, tu vois, mais ça devrait pas être dans toutes les sessions. Il devrait y avoir des sessions tranquilles et des sessions vraiment what the fuck avec ce genre de véhicule. Parce que le mec qui s'amuse tranquille avec son club de biker et qui vient se faire buter mon gars par une Batmobile, je te promets, il a le seum. Non, bah tu vois, c'est ce que je m'attendais en mode histoire, c'est ce que je voulais pas qui arrive, c'est pour ça que je voulais pas utiliser le boost. Bon les gars, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette petite découverte présentation en live vous a plu, c'était un peu bordélique mais on voulait voir de quoi était capable le véhicule. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait, on a vraiment galéré à les faire spawn avec mon pote Zeko. Moi je vais vous laisser là dessus, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo découverte. Bon game et ciao tout le monde. Yeah, let's go. Let's go.